Chevènement et concernant le président de la République, on n'est pas obligé de faire deux quinquennats, nous a dit notamment Jean-Pierre Chevènement, dont le livre « Défi de civilisation » paraît, je le rappelle, chez Fayard. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux. RTL Matin, 7h56. À suivre, Pascal Pro. Oui, pour son Pro de l'info, Ségolène Royal a de la suite dans les idées, va nous dire Pascal. Emmanuel Valls pourrait en payer le prix fort. Ne la cherchez plus. L'Audi de vos rêves se trouve chez Audi Occasion Plus. Accédez à plus de 3000 véhicules Audi d'occasion garantis 24 mois grâce au crédit à 0% jusqu'au 30 novembre. Pour 16 000 € empruntés, remboursez 444,44 € par mois. Montant total du 16 000 € sur 36 mois sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Audi Occasion Plus. Quand on veut une Audi, on va chez Audi. Retrouvez l'ensemble des offres Audi Occasion Plus chez votre distributeur labellisé et sur audi.fr/occasion. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins, quand ils font leur anniversaire, eh ben c'est pas la fête. Hein. Et puis il y a l'anniversaire La Paire, avec une ambiance de folie et un festival de petits prix. Jusqu'au 2 novembre, c'est l'anniversaire La Paire, avec des offres à tomber. Par exemple, 25% de remise sur une sélection de portes de douche. Moins 25% sur les portes de douche. L'anniversaire La Paire, forcément il n'y en a pas deux. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. Des cours de piano, ça peut être utile pour l'avenir de votre fille. Mais pour payer ses études, Chopin sera-t-il aussi utile que vous? Comptez plutôt sur les solutions d'assurance vie proposées par la Caisse d'épargne. Un placement idéal pour des projets à long terme, comme financer les études de vos enfants. Très utile si... votre fille met un certain temps avant d'entrer au conservatoire. Caisse d'épargne, vous être utile. Contrat distribué par votre caisse d'épargne intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS. Renseignez-vous en agence. RTL Matin. Yves Calvi. RTL 7h58. Le Pro de l'info. Et à 7h58, on retrouve Pascal Pro. Bonjour Pascal. Bonjour Yves, bonjour à tous. Il faut arrêter les frais, dit Ségolène Royal hier dans le JDD, au sujet de la construction de l'aéroport de Nantes. Manuel Valls avait pourtant annoncé le début des travaux. Ségolène Royal est libre, libre d'exprimer un avis contraire à celui de Manuel Valls, libre aussi de renier ses engagements sur la démocratie participative, son credo en 2007, puisqu'un référendum local a validé la construction de l'aéroport. Libre enfin d'ajouter la confusion à ce dossier. Qui faut-il croire? Manuel Valls, quand il déclare « l'évacuation c'est pour cet automne, ça se fera », il ne peut pas y avoir d'autre voix, ou Ségolène Royal qui dit le contraire? Quelle est la position du gouvernement sur ce sujet? Que va-t-il se passer? C'est assez invraisemblable. Aucun recadrage, aucune précision depuis son intervention hier. Ségolène Royal est Notre-Dame de tous les droits. À moins que Ségolène Royal ne s'exprime avec l'aval de François Hollande. Allez savoir, c'est possible, ils se connaissent bien. Pascal Pro. RTL bouge. Et nous voici revenus à nos histoires de parapluies, avec vous, Louis Bonnard. Ah bah oui, j'ai pas changé depuis tout à l'heure. Hein. Au contraire, même les pluies ont tendance un petit peu à s'étaler en ce moment du sud-ouest. L'Île-de-France va être de nouveau touchée par quelques pluies là dans l'heure qui arrive. Donc prévoyez le parapluie là aussi, sur la Bourgogne. Bref, plus généralement cet après-midi, du sud-ouest aux frontières de l'Est, on aura un temps de nuageux et pluvieux. Pluie un peu plus soutenue autour de la vallée du Rhône, un peu moins entre les Alpes-Maritimes et la Corse. Et puis à l'arrière, de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, puis des Pays de la Loire à l'Île-de-France, on va retrouver des éclaircies en cours d'après-midi de plus en plus belles avec des averses. En revanche, en atténuation, les températures, elles seront petit à petit en baisse et à peu près de saison. 16 à 17 degrés dans la moitié nord, 17 à 20 degrés dans le sud. C'est bien des Pays de la Loire dont vous nous avez parlé. Hein. C'est bien des Pays de la Loire. Voilà, j'avais. Je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure. Ah, qu'est-ce qu'on est bien chez toi. Ah, c'est normal, mon logement est certifié NF Habitat. Tu vois, l'air est plus sain, l'isolation thermique et acoustique est au top. Et puis, tout est fonctionnel, sans parler de la sécurité. Et tu chercherais pas quelqu'un pour garder ton appart pendant tes vacances? Pour acheter, louer, faire construire ou rénover, pensez NF Habitat, votre repère qualité. Plus d'infos sur nfhabitat.fr. NF Habitat, une certification de l'association Qualitel. NF Habitat, la vie devant soi. RTL, il est 8h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal de 8h avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. Mossoul, bastion djihadiste en Irak, jusqu'à quand? L'offensive des troupes au sol a enfin commencé après des semaines d'annonces contradictoires. PSA va supprimer plus de 2000...